Et y est pas tout le monde, aujourd'hui petite vidéo farm, même grosse vidéo farm, on bloque le compteur. Alors vous êtes prévenus. Chérie, on va gagner plein de sous. Donc vous pourrez constater en haut à gauche de votre écran que le compteur bloque sur Gran Turismo 7 à 100 millions de crédits. Avant ça commence, il faut s'abonner. C'est important. Voilà, donc plutôt que de vous montrer le compteur bloqué et de ne pas vous partager un nouveau réglage, une nouvelle voiture, une nouvelle petite astuce, bah, je me suis dit qu'on va profiter de la sortie de l'Audi RS5 DTM pour vous la régler et vous proposer d'aller tourner sur Sardaigne avec. C'est à peu près les mêmes temps que d'habitude, vous allez faire vos 727 000 sur 25-26 minutes. Le véhicule, il se trouve au Brenne Central chez le concessionnaire Audi. Ça coûte un meilleur crédit. La vérité sort de la bouche des enfants et encore plus de celle de ma fille, donc ça coûte 1 million de crédits. C'est vrai. Papa, il faut régler la voiture. Tout de suite. Oui, bon, elle a son petit caractère, mais je vous assure, elle est très mignonne. Donc, le réglage du véhicule, c'est très simple. Vous achetez les courses dures parce que ça se passe uniquement sur Sardaigne. Il n'y a pas de pneus intermédiaires. On va pas sur le Mans. Personnellement, je vais pas sur le Mans avec. Vous faites la prépa, vous achetez ce qu'il faut. Vous faites les petites pétouilles, le restricteur de puissance, les ballasts. Comme d'habitude, de toute façon, pour coter ce que je vous propose, bien que vous pouvez bidouiller à votre sauce. Et vous vous dirigez ensuite vers le circuit Sardaigne. La stratégie, elle est très simple. Ça vous dérange pas de passer deux fois au stand, vous restez en 1 d'économie de carburant, donc au taquet, mais vous allez passer deux fois au stand sur Sardaigne. Si vous ne souhaitez passer qu'une fois au stand, je vous conseille de rouler en 2, voire en 3, et vous ne passerez qu'une seule fois au stand. Comme je vous le disais, le temps, il est relativement proche de ce qu'on tape avec la Formule 1 ou avec la NSX GR3, si je dis pas de sottises. Ça tourne à 26 minutes. D'ailleurs, je vous mets le screen maintenant. Voilà, concrètement 26 minutes 10 pour une 38 au tour, c'est très 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 correct. On parle bientôt du farm sur le NURB, je sais pas encore ce que ça donne, j'ai fait premier mais j'ai pas fait course parfaite donc j'ai gagné 200 000. Je suis curieux de savoir comment ça va faire. Pour ceux qui connaissent pas la piste Sardaigne qui farm que sur le Mans, ça se passe comme ça, la course à 800. Ne vous inquiétez pas, vous gagnerez pas 465 000 crédits, vous gagnerez bien 727 000. Et pour ceux qui se posaient la question, le compteur bloque à 100 millions de crédits. Big up, c'était papa et Nina, mon copain. Et jette là l'auto, mon copain, tu lui dis. Le tien ou le mien? De copain? Le copain de qui? Eux là! Jette là l'auto, mon copain.